Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est un mini haul Zara. J'ai acheté quelques articles de la nouvelle collection, j'en ai acheté que 4. Je voulais vous les présenter puisque j'ai deux gros coups de cœur. On va commencer par cette paire de chaussures que je trouve juste canon. Donc c'est des petites chaussures plates, parfaites pour aller travailler. Donc voilà, elles se présentent comme ceci. Vous avez un espèce de gros nœud, les bouts sont pointus avec un petit talon. Je les trouve juste super super jolies. Voilà, c'est parfait pour la saison. À Marseille, il fait entre 15 et 16 degrés dans la journée. Donc, il fait plus assez froid pour porter les grosses bottes avec les grosses chaussettes. Et ce genre de petites chaussures, je trouve ça vraiment parfait. Donc, pour moi, ces chaussures, elles ont coûté 29,90 €. Il n'y avait pas d'étiquette puisque j'ai pris une taille 38. Alors, il faut savoir que comme elles sont pointues et que j'ai un pied très fin, normalement je fais du 39 et là j'ai pu les prendre en 38 sans problème. Sinon, le 39, elle me lâchait au niveau des talons, je les perdais donc il aurait fallu que je mette une semelle à l'intérieur. Je préférais prendre du 38. Donc, je vous conseille vraiment de les essayer en magasin. Au début, je voulais les prendre sur internet, mais c'est vrai que les chaussures, comme je fais une demi-pointure, je fais du 38,5. Tout dépend les modèles. Par exemple, les nu-pieds, je prends du 38, mais les chaussures fermées, les bottes, tout ça, généralement, je prends du 39. Donc voilà, à essayer et je les trouve vraiment canon. La tendance du moment, c'est vraiment d'avoir ces chaussures très pointues, que ce soit en bottes, en chaussures, même en escarpins. Voilà, le retour du pointu dans les paires de chaussures. Donc gros coup de cœur pour cette paire de chaussures. Ensuite, ce petit pull qui est juste magnifique avec des froufrous. Voilà, je le trouve juste sublime dans ce petit gris clair comme ça. Il est vraiment magnifique. Il est d'une matière, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est toute douce. Donc voilà, c'est un pull manche longue. Il est assez long, il n'est pas du tout court. Hein. Il m'arrive au milieu des fesses à peu près. Franchement, je l'adore. Et pour un tout petit prix, il est à 15,95 €. Voilà, je le trouve juste super joli. Je ne l'ai pas vu en noir, sinon je l'aurais peut-être pris aussi en noir, mais je l'ai vu en gris et j'ai craqué dessus. Je le trouve juste canon. Je trouve que ce petit pull avec un pantalon en simili-cuir, ces petites chaussures et cette petite paire de résilles, ça va être juste magnifique. Donc là, j'ai acheté des petites soquettes en résille. Donc il y a une paire qui est résille et une paire qui est noire. Il est à 7,95 €. Voilà, c'est une taille unique qu'on peut trouver chez Zara. Vous avez aussi les collants résille. Par contre, là, il n'y a qu'une paire et c'est 6,95 €. Donc, la tendance est quand même de les porter les collants avec un pantalon troué qu'on voit les trous, la résille à travers les trous. Et de porter le collant jusque en haut du ventre si vous portez un petit haut crop top. C'est sympa de voir la résille au niveau du ventre. Donc voilà. Donc j'ai essayé d'en chercher sur plusieurs sites. Et c'est vrai que j'en ai pas trouvé beaucoup qui proposaient des petites chaussettes comme ça en résille. Et voilà. Bon, 7,95 €, c'est pas donné pour deux paires. Mais voilà, je pourrais mettre les deux paires avec mes nouvelles chaussures et ça sera parfait. Et le quatrième article, c'est ce petit t-shirt. Alors pour moi, c'est pas un pull parce que c'est vraiment fin. On voit, voilà, on voit ma main à travers en fait. Donc c'est un petit pull avec des broderies au niveau des épaules. Je les trouvais vraiment super super mignons. Donc c'est un petit haut à manches longues. Pareil, il n'est pas court, il m'arrive au milieu des fesses, donc c'est parfait. Soit porté avec un petit débardeur en dessous, soit avec un soutien-gorge couleur chair. Il m'a coûté 19,95 € en taille S. La taille est parfaite et je le trouve juste super joli. Donc cette année, vous n'avez pas dû rater la tendance. Donc les broderies, vous en avez un peu de partout. Sur les chaussures, sur les pantalons, sur les jupes, sur les pulls, sur les chemises. Voilà, et même sur les sacs à main. Il y en a vraiment de partout et je trouve ça super sympa pour... Pour la mi-saison, c'est sûr que là, pour maintenant, il fait un peu frais pour porter ce genre de petits t-shirts à manches longues. Mais voilà, nous, enfin, à Marseille, à partir du mois de avril, on va commencer à porter juste des t-shirts à manches longues avec un petit gilet et ce sera parfait, quoi. Donc voilà, donc gros coup de cœur pour deux pièces. Donc ce petit pull que je vous remonte, que je trouve juste canon avec ses petits froufrous au niveau des épaules et des manches. Et cette paire de chaussures que je trouve juste sublime, sublime. Voilà. Donc voilà, c'est un petit haul vraiment très très court. Mais
vraiment deux gros coups de cœur. Et franchement, la nouvelle collection Zara est plutôt pas mal. Et je trouve que niveau prix, ils se sont quand même bien améliorés. Puisque d'habitude, au début, j'allais pas trop chez Zara parce que je trouvais que les prix étaient vraiment chers. Mais dans la collection Trafaluk, il y a quand même pas mal de jolies pièces. Pas trop cher, par exemple une paire de chaussures, celle-là elle est pas du tout soldée et 29,90 €, je trouve ça. Bon alors c'est sûr c'est pas du cuir mais je les trouve quand même très jolies. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.